c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse très fort et très bon 40 ans. Et 40 ans, c'est un très bel âge. Je vous embrasse, la fin, tous de la fin. Au revoir, au revoir. Alors après 40 ans, l'AFA est devenue une association incontournable. C'est 40 ans d'innovation, c'est aussi 40 ans de soutien aux patients. Il y a un problème, on ne sait pas répondre. Et bon, on dit, il suffit de contacter l'AFA et miraculeusement, toujours, ils ont toujours une solution à tous les problèmes pour tous les patients. C'est la montée en expérience, en expertise du patient. L'importance des patients ESPER, c'est qu'on est en proximité avec le milieu médical et les patients. Pérennité et proactivité. Une communauté soudée autour des MIKI pour lutter contre les MIKI. C'est un ensemble de personnes formidables. Les patients aident à briser le plafond de verre de la prise en charge. C'est beaucoup d'avancées pour la recherche médicale. Ça nous a permis, en tant que chercheurs, de mener des recherches et de toujours aller plus loin, plus haut. Je voulais remercier l'AFA pour tout le soutien qu'elle apporte à la fois aux chercheurs et aux patients. La recherche et les avancées, la prise en charge des patients MIKI en France est parmi les meilleures au monde et on en est très fiers. On a pu avancer et faire des progrès réels sur la qualité de vie, mais aussi sur la prise en charge thérapeutique. Avec de véritables découvertes qui ont révolutionné la prise en charge des patients. Et puis pour nos patients, c'est un accompagnement au quotidien. Les patients atteints de MIKI ont la chance d'avoir une association dynamique comme l'AFA. 2 ans et demi que je suis à l'association, fier d'y être et je défends les proches, car je pense que les proches sont comme les malades, ils vivent une maladie. On est tous ensemble pour faire avancer la recherche et mieux contrôler ces maladies. Donc on a besoin de vous tous pour nous rejoindre et rejoindre l'AFA. Un beau message d'espoir aux malades et aux familles. Vive les 40 ans.